55, oh, qui est bien sage, lui. Étonnant de la part de son propriétaire, Alain Pelletier. Affiche de magnétique gym et tunique bleue. Oh, le frère, donc, de l'évidence bleue, la brave évidence bleue. Ah, Maxime, écarte-toi un petit peu, parce que la caméra est derrière toi. Bonjour. Né le 26 février, oui, il est né encore plus tôt que le long précédent, né le 26 février, la mère est par panoramique, et c'est la grande souche des bleus du père Tessard. La grande souche des bleus, dont la jument d'origine fut attachée à un poteau à Paris lors d'une plantation, le poteau c'était un pilier de la tour Eiffel, solide. C'est là, finalement, la famille des bleus, et le meilleur de tous les éléments de cette famille, il y en a beaucoup des bons, mais le meilleur c'est évidemment le légendaire Edmondon Bleu, Edmondon Bleu, comme il disait à Cheltenham, vainqueur, entre autres, de la Queen Mother Champions Chase, parmi ses 25 victoires. Imaginez, Edmondon Bleu qui avait gagné ici, on sera quoi, le danger pour Michel Pelletier avant d'être vendu en Angleterre. À l'époque, ça se faisait. On va marcher, s'il vous plaît. Des chevaux d'expérience en Angleterre. Mylène, on va marcher. Voilà, on va au pas maintenant, Mylène. Donc, ça ne se faisait pas beaucoup de vendre des chevaux en Angleterre. C'est monsieur Le Métayer qui avait acheté le cheval pour l'Angleterre. Le cheval lui a réussi une carrière extraordinaire, gagnant donc le Queen Mother Champion Chase, c'est le fameux titre de ses 3200 mètres à Cheltenham, mais aussi les King George. Et puis aussi, on a Étoile Bleue, Upsilon Bleu, Défi Bleu, Apéro Bleu dans cette famille, Tunique Bleue, elle, a gagné une coupe. À Montauban, dans le sud-ouest, Tunique Bleue, elle est devenue poulinière. Son premier produit est gagnant, évidence bleue, ensuite elle a un yearling de Storm the Stars. Et après, elle a ce foal de Magnetic Gym, qui est donc son troisième produit. Allez. On va voir maintenant au trot. Oui, pareil, lui, je pense qu'il va être sevré juste au lendemain du concours. Il est né le 26 février. Il a donc quasiment 7 mois. Ah, il vient de se blesser. Stop. Et il a déjà envie de galoper.